Le principe du salon du Cercle de l'Arbalète qui s'appelle Sofins, c'est en fait de présenter des innovations aux forces spéciales, innovations qu'on cherche depuis 2 ans et qu'on réunit ici sur un salon. C'est pour ça que c'est un salon uniquement pour les professionnels, très réservé d'accès, parce que l'objectif c'est que les technologies qu'on a trouvées les aident dans leur lutte contre le terrorisme et globalement contre la violence. Alors c'est aussi le 10e anniversaire ? Oui, alors, déjà. Qu'est-ce que ça apporte ce 10e anniversaire ? Déjà ça permet de voir le chemin parcouru. Ça nous a permis à nous, Cercle de l'Arbalète, de remercier les 16 fondateurs du salon, dont le ministre Jean-Yves Le Drian, qui nous a fait l'honneur de revenir, le général Gomard, le général Le Segrétin et tous ces gens-là, qui, en fait, il y a 10 ans, ont été très originaux, parce que si on se remémore, il y a 10 ans, démarrait le conflit au Mali. Et si on se met vraiment dans une position de management classique, il y a 10 ans, ce n'était pas normal de dire oui aux Sofins. Il y avait la guerre à faire, c'est le métier des militaires. Et ça a été la force du général Gomard de dire « Ok, on va faire la guerre, c'est notre métier, mais on va préparer l'après-guerre et l'avenir avec ce salon, sans savoir que ça deviendrait un truc aussi grand. » Mais c'est ça la force de cette décision et c'est ça que je voulais saluer. Alors, le côté vraiment unique du salon, c'est qu'au Sofins, ce que vous voyez ici, autour de nous, vous pouvez aller l'essayer. On est sur un camp des forces spéciales, on peut tirer, on peut faire voler un drone, on peut faire rouler un drone, on peut faire de la vision nocturne. Le salon des forces spéciales, et c'est une image qui vient du patron des forces spéciales actuelles, le général Diego, qui nous a dit, en fait, le Sofins, c'est le salon des opérateurs. C'est pas le salon des généraux et des grands chefs, voire des ministres, c'est le salon des opérateurs. Ici, le mec va prendre en main l'objet et va l'essayer. C'est ça la force du Sofins. Le principe, c'est qu'on a creusé ce sillon particulier de l'expérimentation au Sofins. Et donc, on a créé des villages. Vous avez 3 villages sur des thématiques différentes. Et dans ces villages-là, les exposants attendent en fait le matin les Français, donc les opérateurs des forces spéciales, le GIGN, le RAID et les militaires d'autres unités, qui viennent essayer le matériel dans les villages. Et l'après-midi, et c'est ça notre grande force, l'après-midi, ce sont tous nos invités étrangers qui peuvent aller faire les mêmes tests. J'allais vous en parler. Le Sofins, ça attire un très grand nombre de délégations étrangères. Comment vous arrivez à attirer autant de délégations sur un événement aussi pointu ? Alors d'abord, ce sont des délégations de forces spéciales et ces délégations sont invitées exclusivement par le commandement des opérations spéciales, le GECOS. C'est lui qui fait sa liste de pays, il la soumet aux autorités politiques, qui valident ou pas le pays. Et ensuite, ces gens-là sont des gens des forces spéciales, ce n'est pas des armées traditionnelles, c'est des forces spéciales. Ils répondent positivement parce qu'en fait, ils ont envie du même matériel que les Français. Ils ont envie d'avoir ce niveau de matériel-là. Parce que ici, dans le salon là où nous sommes en ce moment, 95% des exposants sont français. C'est ça qu'on cherche. Cette année, une des grandes innovations, c'est notre drop zone et notre avion, puisque pendant toute la durée du salon, les chuteurs opérationnels des forces spéciales sautent en parachute. Et le service technique de l'armée de terre fait des tests de para. Donc cette activité, on va dire, aérienne, va être évidemment renforcée et agrandie. La deuxième évolution que vous verrez beaucoup en 2025, très certainement, c'est les villages. Cette année, nous avions, Alain, 3 villages. Peut-être qu'on en aura 4-5 en 2025. Et des villages avec encore plus de contenu, parce que ça marche très bien. L'augmentation des visiteurs, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Ce n'est pas l'objectif. Non, non. On n'est pas un salon comme les autres où je vais vous dire « Ouais, on a fait plus 10, plus 15, plus 20. » Surtout pas. Nous, c'est un salon professionnel. Il faut que les gens qui soient là aient une raison d'être là. Or, la population des forces spéciales, elle n'augmente pas de 20% par an. Donc, ce n'est pas notre volonté. De la même manière, ce n'est pas notre volonté de dire « On avait 10 entreprises là, maintenant on en a 15, 20. » Ce n'est pas le sujet. Nous, c'est la sélectivité qui va monter. C'est-à-dire avoir des entreprises vraiment nouvelles qui apportent quelque chose. C'est ça le cœur de ce film. Donc après 2 jours, nous, on constate juste que les choix qu'on a faits ont l'air d'être les bons. Le salon est rempli de gens qui sont là pour un vrai besoin. Et notre seul indicateur, c'est la satisfaction des exposants demain. Je vais même être clair, c'est même pas la satisfaction des forces spéciales. C'est l'exposant, celui qui va dire « Ok, j'ai eu un mec sur mon stand, il m'a challengé, ou il m'a dit mon produit est intéressant, ou Alain, mon produit, ton produit, il n'est pas bon. Bon, ça c'est moins agréable. » Mais ça peut arriver. Donc c'est ça notre satisfaction. Et pour l'instant, on semble l'avoir atteint, et les villages démontrent que c'était un bon concept, et c'est ça qu'on va creuser. Donc prochain salon en 2025, oui. Date, toujours même période? Oui, toujours même période, fin mars, début avril. Toujours sur un camp des forces spéciales et dans le même concept. Ok, merci beaucoup Benoît et merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.